lights turning green. I drive better to be than there. Scroll back some years, a sneak in what I could. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes. C'est Hervé Matou et je suis très heureux de vous faire vivre aujourd'hui ce match qui promet beaucoup. Le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Après la victoire lors de sa dernière sortie, l'équipe va essayer d'enchaîner. Le coup d'envoi avec le Bayern. Thomas Müller avec Goretzka. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Le gardien qui ne s'embarrasse pas avec une relance précise, loin devant. Robert Lewandowski. Ballon perdu. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Arrêt de Neuer, mais ce n'est pas terminé. Müller. Goretzka. Lewandowski. Ah oui, Lewandowski, bien joué. Passe en profondeur. Oh, quelle occasion ratée! On était à deux doigts de voir le premier but dans ce match. Quelle maladresse quand même. Messi. Mbappé. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Idrissa Gueye. Avec Neymar. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Goretzka. Robert Lewandowski. Attention le tir. Oh, quelle détente. Oh, il est allé la chercher très loin celle-là. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Le centre en retrait. Attention, ce ballon piqué. Oh, superbe, la balle piquée. Il marque. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il y a Sagay. Sadio Ramos. Lionel Messi. Ils reprennent possession du ballon. Léo Messi. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Sadio Ramos. Neymar. Sadio Ramos. Attention, il peut aller au bout maintenant.
Et c'est le but, l'égalisation parisienne, égalisation pour le Paris Saint-Germain. Ah, il leur coûte cher hein, ce ballon perdu. Et voilà donc à égalité, un but partout. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Déjà, emoji face with tears of joy, 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 emoji face with tears of joy. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Choisis la frappe. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Quel dommage. Il avait réussi à créer le danger. Papi. Un duel pour la récupération du ballon. Thomas Müller. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Et ils sont à la récupération. Belle série de passes là, on est en phase de préparation avant de piquer. Un long ballon loin devant. Lewandowski. Müller toujours. Thomas Müller. La frappe. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Ah, très appliqué, hein, Kimmich sur ce corner. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Allez, on redouble les passes. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes, il fallait voir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Thomas Müller. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Ouais, ça presse haut, attention à ce ballon. Et l'arbitre avait compté une minute de temps additionnel seulement. Il avance balle au pied. L'équilibre parfait à la pause, un partout après ses 45 premières minutes. Ouais, il fait un bon match hein, dans cette première période pour l'instant, je trouve. Il a été bon dans cette première période. C'est lui qui marque le but égalisateur. Il a été de tous les coups dangereux, de tous les mouvements offensifs. Il a bien défendu également. Bonne première période, vraiment. Le coup d'envoi de la seconde période entre deux équipes qui, pour l'instant, font jeu égal. Wijnaldum. Achraf Hakimi. Marquinhos. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Kylian Mbappé. Il progresse toujours, Kylian Mbappé. Messi. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud.
Léo Messi. Oui, bien coupé cette passe de Lionel Messi. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Et le gardien, c'est pas fini. Ce sera un corner qui peut permettre au Bayern Munich de marquer et de passer devant. Le corner frappé par Joshua Kimmich. Et le gardien qui se saisit du ballon sans difficulté. Le Bayern de Munich à l'attaque. Oh oui, magnifique! Magnifique pas de Donnarumma. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Ils ont failli vraiment se retrouver menés au score. Et le public a compris que c'était un moment important qui venait de se jouer. Ils y voient un signe positif, le fait de ne pas avoir pris ce but. Le ballon de Messi s'est intercepté. Il progresse. Ah oui, Lewandowski, bien joué. Et l'intervention de Donnarumma. Coman. Et le but. Et oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. On revoit le but au ralenti. But offert, on peut dire ça. C'est une très mauvaise passe à l'origine. Le PSG qui menait au score. Lionel Messi. Sergueï. Bernat. On va renverser complètement de l'autre côté. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Lionel Messi. Idriss Agueil. Récupération et peut-être une action dangereuse. Et attention, le ballon qui est toujours en jeu. Ouais, dégagez ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Thomas Müller. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Eh non, dommage, ça va s'arrêter là. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. C'est venu en profondeur. Elle est au fond! Elle est au fond, mais le drapeau s'est levé. Hors-jeu signalé. Ah, ça doit vraiment se jouer à rien. Koretka. Lewandowski. Il est vu venir. Ouais, bien vu, Di Maria, il est passé. L'équipe qui court toujours après ce score, alors que le match va bientôt s'achever.
Il faudrait marquer, et vite. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Kingsley Coman. Thomas Müller. Le Bayern de Munich à l'attaque. Le centre long au deuxième poteau. Le centre capté sans aucun problème. Thomas Müller. Attention le tir. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Allez, corner. L'occasion pour l'équipe d'accroître son avantage peut-être dans cette fin de match. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Oh, super barré! On la voyait tous au fond, mais le gardien était là! Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Ouais, le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. Ouais, il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Ouais, sans décider à tout faire hein, pour essayer d'arracher l'égalisation, les Parisiens. Ça, c'est un bon ballon pour eux, peut-être. Plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Biche. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Dégage d'eau, bien joué ça. Ça va donner une balle de contre intéressante, vraiment. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Kylian Mbappé. Elle n'est pas passée loin cette balle. On était tout proche de l'égalisation. Ça veut dire qu'il faut encore y croire. Hein. Sané. 2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. PSG qui perd ce ballon. Allez, cette fois c'est la dernière, je crois. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Ce ballon qui est dégagé par le gardien. Et voilà, la fin du match. La fin du match et 3 points de perdu aujourd'hui. 3 points de perdu pour cette équipe qui se fait rattraper. La course au titre relancée. Let us go, Omar. Ah, c'est une défaite qui pourrait affecter le moral des troupes. Is a chore, and it's such a bore, 'cause I don't need them anymore. So maybe if you just got some guts, we kill them with a 1,000 cuts and say we did it out of love. So save your breath, give a little of what you have left. Do they know something I don't? Apologize again, and I never had a taste for liars or the uniquely uninspired, 'cause I don't need to be desired. Is it easier when you
is a chore, and it's such a bore. But we don't need them anymore. We don't need them anymore. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes. C'est Hervé Matou et je suis très heureux de vous faire vivre aujourd'hui ce match qui promet beaucoup. Le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. L'équipe qui va essayer de réagir après sa défaite lors de son dernier match. Déjà, emoji face with tears of joy, 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 emoji face with tears of joy. See you. Let us go, Umar. Mbappé. Neymar. Idrissa Gueye. Ouais, il enraye cette belle occasion, bien joué de sa part. Et Marquinhos surgit et intercepte. Sadio Ramos. Wijnaldum. Pour qui de Mbappé. Ah non, cette action qui s'arrête. Ça presse haut. Attention à ce ballon. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et c'est dévié. Dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Le roi Sané. Allez, dans la surface, il y a du monde. Le ballon. Qui revient, c'est pas terminé si on va en rester là parce que le drapeau s'est levé, c'est un enjeu. Mbappé. Messi. Kylian Mbappé. Wijnaldum, Kylian Mbappé, l'occasion pour prendre les devants, et le but, le premier but dans cette partie. On voit ce magnifique enchaînement et une touche de balle, ça allait très vite. Alors qu'il passe au premier poteau, et le gardien qui est trop statique sur sa ligne, qui ne peut pas intervenir. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Wijnaldum, interception, le ballon est perdu. Kylian Mbappé.
Attention, Kylian Mbappé dans la surface. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Ah, il est bien parti ce corner. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Kimmich. Bon changement d'aile. C'est intercepté par Sergio Ramos. Mbappé, Mbappé en bonne position. Oh, il y est! Voilà, la contre-attaque qui a amené ce but. Ensuite, il reste bien debout, malgré la pression de la défense. Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Lewandowski qui va porter le danger certainement. Il est passé. Et l'intervention de Donnarumma. Ah, c'est l'équipe locale hein, qui monopolise un petit peu le ballon par hasard. Hein, si l'équipe mène au score, dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse, on sent qu'ils sont capables de faire la différence. Mbappé. Allez, il peut s'échapper là. Et attention, le ballon qui est toujours en jeu. Et il marque. Pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt hein, qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Une première période qui vire à la démonstration. Mbappé. Ballon de Mbappé rendu à l'adversaire directement. Thomas Müller. Leon Goretzka. Il tire. Et le but. Ils doivent encore marquer beaucoup hein, pour revenir. Mais bon, elle est au fond. On voit ce but qui arrive pratiquement dans la foulée du précédent. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Le ballon dans les pieds de Di Maria. Wijnaldum. Il y en a maintenant Neymar. Mbappé. Bonne précision, bonne fréquence de passe en ce moment. Le tir, oh là là, hors-jeu, le drapeau qui s'est levé, pas facile de juger, mais ça a dû se jouer à pas grand-chose. Kingsley Coman, Lewandowski, c'est Sergio Ramos qui intercepte. Angel Di Maria, attention Neymar, attention Neymar. L'arrêt de Neuer, mais ce n'est pas terminé. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Ouais, il y va tout seul, énorme occasion. Sagan qui intercepte cette passe. Il y aura donc une mi. Oh, elle s'est ouverte un boulevard. Il se dispute ce ballon. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté.
La fin des 45 premières minutes qui ont été prolifiques puisque le score est déjà de 3 buts à 1. Le Bayern qui a mal entamé ce match. On imagine assez motivé alors que ça reprend à l'instant pour la seconde période. C'est Di Maria qui récupère ce ballon. Oui, magnifique cette passe. Alors on se demande s'il y a vraiment cru. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. André Di Maria. Et ça va s'arrêter là, très beau geste défensif. Une perte de balle pour le Bayern. Ah, ils sont positionnés très haut, ils la récupèrent. Et c'est un but! Et la marque qui est maintenant de 4 buts à 1. Kimmich qui perd ce ballon. Di Maria. Kylian Mbappé. C'est récupéré. Koretka. Attention à la contre-attaque. Le roi Sané. Intervention tranchante, hein, c'est une récupération. Oh, il a un boulevard devant lui, là, Di Maria. Ouais, ben, bon, ça n'ira pas plus loin. Bon tacle. Et le ballon qui sort en touche. Kylian Mbappé. Ah, l'arbitre qui indique que la touche est pour le PSG, bien sûr. Ah ouais, bien défendu. Allez, ça va aller vite sur ce contre. La passe de Sané, interceptée. Et ce ballon qui est récupéré. Marquinhos est venu chipper ce ballon. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Oui, l'occasion. Et le but du Bayern. 4 buts à 2, nouvelle évolution du score, on se régale. Neymar sur l'aile, personne pour le contrer. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Lewandowski qui donne carrément ce ballon à l'adversaire. Wijnaldum. Ouh là, ça n'ira pas plus loin. Lewandowski qui a vu l'appel, c'est dangereux. Hors jeu, l'arbitre qui interrompt cette action.
Et cette passe en profondeur, qui aurait pu être extrêmement dangereuse, mais l'appel de balle avait un temps d'avance, un temps qui a été fatal. Idriss Agueil. La parade de Neuer. Récupération et peut-être une action dangereuse. Et c'est au fond. Face à face bien négocié, on revoit cette séquence. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Il avance balle au pied. Et non, dommage, ça va s'arrêter là. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. C'est intercepté, bonne lecture du jeu du défenseur. Serge Gnabry. Mauvaise relance. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Excellente intervention défensive. Ce ballon qui est intercepté. Ça, c'est bien joué, Di Maria. Et l'intervention de Manuel Neuer. Attention à ce corner. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ouais, c'est pour le gardien. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. La tête, et oui, le but. On voit le but. Tout est parti de ce corner. Timing parfait pour conclure de la tête. Le 6-2. Le score qui est quand même très très lourd. Ouais, le tacle. Kylian Mbappé. Angel Di Maria. Ouais, joli coup d'œil et joli passe en profondeur de Di Maria. La parade de Neuer. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Un corner qui sera dégagé. Ah oui, il peut poursuivre son action. Ah, il est passé, il file vers le but. Koretka. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Müller. Oh, c'est pas bien défendu ça. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Et le gardien, c'est pas fini. Serge Gnabry. Ah, c'est perdu ce ballon par Serge Gnabry. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. La défense qui est un petit peu désertée. Vinaïch Doum à interception, le ballon est perdu. Il l'y aura. Ouais, très bon coup franc. Cette faute commise dans une zone dangereuse. Messi. Le coup franc qui est frappé, ça passe au-dessus du cadre.
Ouais, alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe, complètement à l'adversaire direct. C'est un hors-jeu qui est signalé et sifflé. Ballon qui a été donné un petit peu vite. La fin du match. Les mains qui se lèvent. 3 points de plus. Et une première place au classement. Wijnaldum. Kylian Mbappé. Felipe, never been concerned about the he say, she say. Look inside my bigger account, you see it's my B-day. Every day, all day, but I do not eat cake. And I do not see hate, stink meaner. My demeanor with the Nina. Senoritas wanna meet me at the Catalina. Mix up, mix it up with my elixir. Overlooking the ocean, I'm hoping I see Flipper. Young Felipe, moving like a GTA. But not CJ, more like Tommy. Gabi, facts, space it, you can call me Drax. Swing every track, and you know it's about to stop. You know I'm job rule with the pen and credit. So I was writing about tomorrow with today card. No one curves at a no baseball. We work through it, hashtag no days off. Feeling blessed, no waste God. Do- Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. On va commenter cette rencontre. Moi, Hervé Matou, si vous me connaissez, je suis avec vous, je vous tiens la main, je regarde vos matchs. C'est une rencontre à l'issue de laquelle nous connaîtrons peut-être l'équipe championne. Le Bayern Munich affronte le Paris Saint-Germain. L'équipe est dans une position très favorable. Elle a son destin en main, si elle l'emporte aujourd'hui, elle sera championne. Et bien, l'intervention, changement de possession. C'est intercepté par Neymar. Allez, il y va, Kylian Mbappé, attention, ça c'est dangereux. Koretka. Thomas Müller. Hernandez. Lewandowski. Allez, il faut centrer. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Ah, cette fois, c'est mal engagé, c'est clair. Avec ce but de handicap, la perspective d'être sacré aujourd'hui s'éloigne. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il
Iris Agueil. Enrique Martinez. Angel Di Maria. La dernière passe, elle manquait de précision. Ballon récupéré par la défense. Il va peut-être pouvoir égaliser. Et le but qui ne va pas être accordé. En jeu évident au départ de l'action, qui n'a échappé à personne, et encore moins à l'assistant. C'est intercepté par Idriss Agueil. Il a laissé l'avantage, mais il revient à la faute. Hein, ça n'a pas profité. C'est joué à deux. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Allez, continue Messi. Lionel Messi. Ouais, il repousse, ça joue. Ouais, penalty, l'arbitre qui n'a pas hésité. Et ça va complètement relancer ce match, bien sûr. Oh, sur la barre. Thomas Müller. Non, elle est perdue. Serge Gnabry. Oh, le but peut-être. Quel arrêt, un plongeon exceptionnel. Il combine avec un coéquipier sur ce corner. Centre de Lewandowski. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ouais, il récupère les vertus du pressing. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! En deux temps, ce corner. Et ça sort en sortie de but. Ils vont pouvoir se dégager. Sadio Ramos. Ouais, on utilise toute la largeur du terrain, c'est bien joué. Di Maria et personne pour le contrarier. Mais non, finalement c'est un ballon perdu. Tiens, vous voyez que le synthé confirme notre impression. L'équipe locale est un petit peu privée de ballon. Hein. Elle a été capable, hein, cette équipe, de se créer des occasions et de les mettre au fond. À elle de préserver son avance maintenant. Messi. Ah non, la passe est interceptée. Il va s'offrir un duel avec le gardien. L'équipe qui peut de nouveau prétendre au titre. Encore un but et ce serait un pas important vers la victoire. Et voilà donc à égalité un peu partout. Serge Gnabry. Kimmich. Tout compris là, le défenseur, bien vu. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Le ballon qui sort. Oh, il y a du monde sur lui. Ça a été dévié, touche. Qui s'est un petit peu troué sur ce ballon, qui perd la possession. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Il y va tout seul. Et le but du Bayern. Le club de la capitale mené au tableau d'affichage.
Lionel Messi, Marquinhos, Ronaldo. Oh, il n'est pas seul, il y a du soutien. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Serge Gnabry. Et ce ballon qui est perdu. Le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel. Léo Messi qui frappe. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause. Avec ce score de 2-1 à la mi-temps. Ça repart pour la seconde période avec le Bayern qui mène pour l'instant. Lewandowski. Sané. Alfonso Davies. Leon Goretzka. Thomas Müller. Robert Lewandowski. Maintenant, ballon d'Mbappé rendu à l'adversaire directement. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Mbappé. Kylian Mbappé. Balle d'égalisation. Oh, quelle occasion. C'était une vraie balle d'égalisation. Qu'est-ce qu'il aurait fait du bien, ce but. Robert Lewandowski. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. La passe mal ajustée de Müller. Lewandowski toujours. Allez, il peut marquer. Il peut marquer, Lewandowski. Oh, génial. Quel arrêt génial. Le réflexe à bout portant. Attention à ce corner. Bien joué le gardien qui sait à quel point c'est compliqué de s'imposer sur ces ballons. Goretzka. Leon Goretzka. Avec Müller. Goretzka. Robert Lewandowski. Le Bayern de Munich à l'attaque. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. La bonne passe de Wijnaldum dans la profondeur. L'arrêt de Neuer, mais ce n'est pas terminé. Parisien qui égalise. Oh, attention au réveil du Paris Saint-Germain dans ce match. On voit le but au ralenti. Bonne première intervention du gardien. Et bon, ça n'a pas suivi derrière. On peut rien faire sur le deuxième ballon. Deux équipes qui font jouer bien en ce moment, une statistique qui le confirme. On a un bon match, hein, vraiment, avec des buts, des occasions, c'est serré. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre.
Paris Saint-Germain qui va avoir un coup franc à jouer. Elle passe par-dessus pour André Di Maria. Très bonne interception. Il y avait danger hein, derrière. Bien joué. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Bernat. Il prend la frappe. Pas de souci pour le gardien. La passe de Neymar et qui est intercepté. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Wijnaldum. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Ouais, mauvaise passe de Müller. Bah, le public sent que c'est le moment de marquer. Hein. L'équipe est accrochée. Il faut faire la différence. Hors-jeu. Ah, dommage. Il partait au but. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Zule. Le roi. Oh, le gros exploit personnel, attention. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ouais, il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Les supporters des deux équipes qui donnent de la voix. Ils ont raison parce que c'est maintenant que ça se joue. Hein. Il choisit de repiquer au centre. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh oui, il marque. La délivrance peut-être pour cette équipe dans ce match. Et c'est clair sur le ralenti qu'il n'y a pas assez d'agressivité sur le porteur. Il n'y a pas d'intensité dans les duels. C'est quand même incroyable de voir cette passivité défensive. Je vous rappelle le score, hein, 3-2 maintenant. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Ouais, bien vu, Di Maria. Il est passé. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh, l'occasion qui se termine de manière assez étrange dans les bras. Alors qu'on a le sentiment qu'il y avait moyen de marquer. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Ouais, le ballon est sorti. Ce sera pour le Bayern. Müller, Leon Goretzka, Sané. Leon Goretzka. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ça c'est bien joué dans la course. Léo Messi. Eh non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Et Marquinhos surgit et intercepte. Ah, le pressing qui pète. Allez, la fin du match. La fin du match à l'instant. Et ce qu'il faut bien appeler un mauvais résultat. L'équipe qui espérait faire la fête aujourd'hui, qui devra attendre un petit peu. Rien de dramatique, peut-être un léger contretemps. Mais attention tout de même. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Il a fait un très très bon match. Il a été efficace avec ce doublé. Franchement, mission accomplie. L'un des grands acteurs de cette victoire.
Salut à tous, regardez ces images, les conditions sont absolument idéales pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble. Et c'est moi, Hervé Matou, que vous aurez la chance d'avoir comme commentateur, la chance je ne sais pas, enfin en tout cas, c'est comme ça. C'est bien sûr le match dont tout le monde parle, puisque le titre va se jouer sur cette rencontre. L'équipe qui va gagner ce match sera championne. Le Bayern Munich affronte le Paris Saint-Germain. On va retrouver ces deux équipes qui nous ont offert une saison extrêmement serrée, pleine de suspense, et qui se retrouvent à égalité sur ce dernier match. Elles vont à présent devoir se départager. Bon, pas très bien négocié par Wijnaldum tout ça. Et donc sortie de but. Alfonso Davis qui perd la balle. Robert Lewandowski. Le gardien, c'est pas fini. Oh, en deux temps. Magnifique intervention. C'était chaud. Hein. Première intervention. Et finalement, ce ballon qui est capté. Messi. Oui, il a pris le dessus, Kylian Mbappé. Oh, la frappe. Oui, puissante, ça c'est sûr, mais là on peut pas marquer comme ça. Niklas Süle. Espace directement dans les pieds de l'adversaire. Ah, il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang-froid. Contact. Récupération et peut-être une action dangereuse. Kylian Mbappé. Oh, quelle occasion! On était tout près de l'ouverture du score. Kingsley Coman. Bonne intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Occasion de prendre l'avantage. Ah, c'est une perte de balle. Mais non, cette action ne donnera rien. A complètement raté cette passe. Ouais, Messi, non, il perd le ballon. Pas assez précise cette passe, dommage pour eux. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc. Ballon magnifiquement capté par le gardien. Ballon qui est donné en profondeur. Le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Récupéré dans le camp de l'adversaire. Il est le premier sur cette passe. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Sortie de but. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Ça c'est un bon ballon récupéré. Thomas Müller. Passe de Sané qui n'arrivera pas à destination. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Thomas Müller. Ah non, la mauvaise passe. La bonne anticipation. Di Maria qui intercepte.
Lewandowski. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Peu de solution en attaque. Il est obligé un petit peu de dézoner, de décrocher. Oh, l'interception in extremis. Kylian Mbappé. Un grand jaillissement là sur cette interception. Kylian Mbappé. Tout compris là, le défenseur, bien vu. Eh non, trop appuyé cette passe. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. Ballon récupéré par Coman. Sagaï qui intercepte cette passe. Voilà, on a perdu. On a par Neymar. Ouais, bien joué. Bien joué cette passe de Müller. Messi. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Bon, il faut être clair, c'est une mi-temps à oublier pour lui. Je ne l'ai pas trouvé très impliqué, ni à la construction, ni à la finition. On ne l'a pas vu, hein, pour ainsi dire. Le début de la seconde période avec les Parisiens qui engagent. Sadio Ramos. Bernat. Parpi. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. C'est intercepté par Neymar. Très mal donné, hein, ce ballon. Ah, c'est bien joué. Il faut se battre sur ces ballons. C'est Sergio Ramos qui intercepte. Kylian Mbappé. Messi, attention, il est passé. La parade de Neymar. Ah, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Sané. Avec Müller. Le Bayern qui perd le ballon. Kimmich qui perd ce ballon. Thank you.
Ramos. Ah non, ballon perdu. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Oh, il la perd dans sa moitié de terrain. Bon, pas très bien négocié par Wijnaldum tout ça. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Sergio Ramos. Ah non, la passe est interceptée. Ouais, bonne intervention. Allez, stop son action. Thomas Müller signalé en position de hors-jeu. Idrissa Gueye. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Alphonso Davies. Ah ouais, très bien pris. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Il y va tout seul. Il aurait mérité un meilleur sort cette contre-attaque, mais on va retenir quand même le bel enchaînement de passes. Cette remontée de ballon magnifique. Ouais, le duel. Lionel Messi. Ah oui, la bonne passe. Oh non, but, hein, c'est pas possible. On s'aperçoit que c'est bien un CSC. Hein. C'est malheureux, mais ça arrive même au meilleur. Allez, il ne faut pas se focaliser sur cette bourde. Ouais, mauvaise passe de Müller. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. Oh là là, il ne faut pas la perdre à cet endroit. Oh là, heureusement qu'il était là. Ouais, bien joué le coup défensivement. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Peut-être l'égalisation. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. L'équipe maîtrise plutôt bien le plan défensif aujourd'hui. En restant sérieux, ça devrait pouvoir se faire de tenir ce 1-0. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah ouais, les mains sûres du gardien. Idrissa Gueye. Quelqu'un qui perd ce ballon. Ça commence à beaucoup s'agiter sur le banc de touche. On trouve que les minutes ne défilent pas assez vite. C'est souvent le cas quand on mène. Et surtout quand il y a un titre au bout. L'avance est fragile, il faut la conserver. Intéressant là pour le Bayern, parce que s'ils veulent égaliser, c'est maintenant ou jamais. Le ballon qui est dégagé, ce sera un corner. Il préfère combiner pour jouer ce corner. C'est parti vers le deuxième poteau. Mauvaise relance.
Müller. Il poursuit son action personnelle. Ouais, le ballon qui est perdu. Marquinhos est venu chipper ce ballon. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. À l'interception, c'est Robert Lewandowski. Oui, bien joué en profondeur. Ah, bien joué le gardien. Il fallait y aller sur ce ballon en profondeur. Ah, c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. Neymar. Léo Messi. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Et regardez les bras qui se lèvent, évidemment. Ce dernier résultat qui offre le titre. L'équipe a fait ce qu'il fallait. Éviter le piège d'aujourd'hui pour officialiser sa domination. Bravo. Distraction.